Bonjour à tous et bienvenue sur Eloro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de la tablette Deco NW de XP Pen. Je l'ai reçue il y a quelques jours de la part de XP Pen gratuitement. On va ouvrir le colis ensemble et on va découvrir ensemble la tablette graphique. Je pourrai ensuite vous donner mon avis sur la tablette. Restez bien également jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura un concours pour tenter de gagner une tablette graphique XP Pen et je tirerai au sort le 16 septembre. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Alors dans le colis, on a également une petite surprise de la part de XP Pen. Et voilà le petit sac XP Pen, le petit tote bag que j'ai reçu de la part de XP Pen, super sympa. Avec bien évidemment leur petite mascotte. Et bien évidemment, on a la tablette graphique XP Pen, la Deco NW. W comme wireless pour dire que c'est une tablette qui peut être utilisée en Bluetooth. J'avais également 4 coloris disponibles pour cette tablette. Rapidement, pour les spécifications, moi j'ai pris la couleur verte. Il y a, comme je vous ai dit, le Bluetooth. On peut utiliser la tablette pendant plus de 10 heures. Le temps de chargement est de 2 heures environ. Et il est compatible avec tous les PC et également les Android. Donc il peut être utilisé avec votre téléphone. Voilà la tablette en entier et vous avez également le film protecteur à retirer quand vous voulez dessiner. En termes de taille, si je prends un dessin à moi par exemple, vous voyez que c'est à peu près la taille d'une feuille A4, un tout petit peu plus petit, puisque les zones de dessin sont situées entre les différents rectangles qui sont ici. Vous avez également 8 touches de raccourci. La tablette est super légère. Ensuite, on a également le stylet XP Pen qui marche directement sur la tablette, pas besoin de batterie. Et sur le stylet, vous avez bien évidemment deux petits raccourcis en haut et en bas. On a également la petite carte de garantie, le guide pour la tablette et également le guide si vous voulez utiliser votre XP Pen avec vos téléphones Android. On a également deux adaptateurs pour pouvoir brancher la tablette à votre téléphone, donc en fonction de si vous avez un USB-C ou un micro USB. Pour les ordinateurs, on va avoir ce petit embout pour utiliser le Bluetooth avec votre tablette et du coup ne pas avoir besoin de fil du tout, donc ça c'est juste ouf je trouve. C'est-à-dire que vraiment vous pouvez être avachi sur votre canapé ou sur votre chaise de bureau et ne pas avoir de fil qui vous encombre. On va également avoir une dizaine de petites pointes de rechange, voilà, donc moi je trouve que ça s'use super lentement ces pointes, donc c'est vraiment énorme. Et vous avez bien évidemment le câble qui va avec. Je pense qu'on va tester rapidement cette tablette graphique sur mon téléphone et ensuite on passera au test sur ordinateur où je vous présenterai un petit peu les drivers et les différentes touches de raccourci que vous pouvez configurer. Pour utiliser la tablette sur téléphone, vous avez bien évidemment besoin du câble puisque le récepteur Bluetooth ne marche pas vu qu'il marche que en USB et vous avez également besoin de votre adaptateur. Moi j'utilise ensuite l'application Ibis Paint X sur téléphone. Une fois que vous avez branché vos câbles, vous pouvez voir que là, voilà, ça commence directement à écrire. J'ai pris un format A4 pour à peu près correspondre à la zone de dessin de la tablette XP Pen. On peut tester également les différentes pressions juste pour voir si ça réagit bien à la pression. Donc là j'appuie pas beaucoup, et là j'appuie un peu plus. Donc on voit quand même que ça réagit très très bien à la pression. Vous avez également un petit outil réglage où vous pouvez régler quelques trucs sur vos stylets. Par exemple, ici, vous pouvez cocher Palm Reject. Quand vous cochez l'option, vous ne pourrez plus dessiner à la main. Ça évite de dessiner sans faire exprès avec votre main. Vous pouvez dessiner qu'avec votre stylet. Ici, vous pouvez également sélectionner les deux boutons qui sont là. Donc, bouton 1, bouton 2. Ici, moi, j'ai mis l'option Annuler, voilà, pour annuler facilement un trait. Et ici, on va mettre l'outil Forme Gomme, voilà, donc pour alterner entre la gomme et le stylet. Voilà, petit test rapide de la tablette sur mon téléphone où j'ai dessiné un petit rhinocéros. La tablette est super top pour la pression, etc. Le seul point négatif sur téléphone, c'est qu'on ne peut pas utiliser les touches de raccourci ici. Voilà, donc il y a quand même 8 touches de raccourci qui sont perdues. Et c'est également compliqué de se repérer sur l'écran, mais ça c'est un petit peu toutes les tablettes sans écran.
Je passe tout de suite au test sur ordinateur. Déjà, pour commencer à utiliser la tablette, il faut bien évidemment brancher le récepteur Bluetooth. On peut allumer la tablette en appuyant 3 secondes sur ce bouton. Et là, on peut voir le petit voyant bleu qui se connecte. Je vais sur le site de XPPN et ensuite je clique sur support. Je clique ensuite sur télécharger pilote. Et là, en fonction de la tablette, je peux télécharger le pilote. Je télécharge celui-là et également celui-là. Et je peux exécuter le pilote. Ensuite, vous devez redémarrer rapidement votre PC pour prendre en compte le pilote. Ensuite, juste ici, vous avez le XPPN tablette qui s'affiche comme pilote. Et vous avez juste ici la configuration de votre tablette. Ici, vous avez la configuration des raccourcis de votre stylet. Voilà, donc c'est dans paramètres du stylet. Et ici, vous pouvez voir la pression actuelle. Donc là, j'appuie plus ou moins sur ma tablette et la pression est juste ouf. Donc là, je vais appuyer un tout petit peu, voilà. Vous voyez qu'on peut aller très bas et jusqu'à assez haut. Là, j'appuie au maximum sur la tablette. Vous avez bien évidemment ici les raccourcis, les 8 touches de raccourcis que vous pouvez configurer comme vous voulez en fonction de votre logiciel de dessin. Et vous avez également l'état de votre batterie. Juste en haut, vous pouvez ajouter vos logiciels de dessin pour ajouter les raccourcis que vous voulez et les changer en fonction de vos logiciels. Si je me mets au bout de la zone de dessin, vous allez voir que ma souris, elle est tout en haut. Au contraire, si je vais de l'autre côté, vous allez voir qu'elle est ici. Et vous voyez, je peux faire totalement le tour de mon écran. Et voilà, j'ai terminé la configuration de mes raccourcis. Je vais vous donner des idées un petit peu de ce que j'utilise pour moi Medibank. Le premier raccourci, ça va être le brush, le deuxième, la gomme, le troisième, l'outil déplacé. Le quatrième, l'outil CTRL-Z. Le cinquième, pour rétablir, donc l'inverse de CTRL-Z. Celui-là, ça va être le zoom, qui va se déplacer en fonction de où je positionne le stylet. Ici, ça va être le dézoom, comme vous pouvez le voir. Et ici, ça va être la pipette. Déjà, l'avantage premier d'une tablette sans écran, c'est bien évidemment le budget. C'est beaucoup moins cher qu'une tablette avec écran. Et ça peut être tout aussi efficace si vous avez le temps d'adaptation nécessaire. J'aime bien aussi les tablettes sans écran parce que vous pouvez garder votre tête haute et regarder votre écran d'ordinateur sans avoir à toujours vous pencher sur votre tablette. Parce qu'avec une tablette à écran, vous êtes sans arrêt comme ça en train de dessiner et de regarder et vous pouvez avoir des problèmes au cou et au dos. Donc ça, c'est plus une question de position. Ensuite, ce qui est cool avec la tablette XPPen, c'est que le stylet marche sans batterie, donc vous n'avez pas besoin de charger le stylet, donc ça c'est très très bien. Et le stylet reconnaît également les différents types de pression. Vous pouvez appuyer très faiblement sur votre stylet pour faire des petits traits et également appuyer très fortement sur le stylet pour faire des traits gros et également de plus en plus sur le stylet pour faire des traits fins jusqu'à des traits un petit peu plus épais. Bien évidemment, l'autonomie de la tablette est excellente, elle peut tenir plus de 10 heures sans être rechargée. Ça va, la prise en main est assez facile, je galère juste un petit peu, si je zoome un petit peu vous allez voir. Pour faire des traits bien stables. Elle marche également en Bluetooth, donc c'est comme si vous avez une tablette avec écran en vrai, puisque en fait vous n'avez pas de câble qui vous encombre. Et moi la plupart du temps quand j'utilise une tablette, c'est pas pour m'encombrer avec tous les fils et tous les câbles. J'aime bien être un petit peu libre de mes mouvements, pouvoir me mettre un petit peu plus loin de mon écran, pouvoir m'avacher entre guillemets sur mon canapé ou sur ma chaise de bureau. Et bien évidemment pour aller avec le Bluetooth, vous avez également 8 touches de raccourci, donc ça vous évite d'être sans arrêt à faire des allers-retours entre votre écran et votre tablette pour pouvoir, je sais pas, annuler votre trait, utiliser la gomme, utiliser la brosse, etc. Vous pouvez directement utiliser l'outil de raccourci et vous pouvez d'ailleurs les configurer en fonction de ce que vous voulez dans le logiciel de configuration XPPen. Et vous avez en plus de ça deux raccourcis en plus sur le stylet directement accessible depuis votre main. Après, le point où j'ai un petit peu plus de mal, c'est le fait bien sûr que ce soit une tablette sans écran, parce que forcément c'est un petit peu plus dur qu'une tablette avec écran pour savoir se repérer, etc. Et ça nécessite un temps d'adaptation beaucoup plus long que avoir une tablette avec écran. Donc forcément c'est un peu plus d'entraînement qu'une tablette avec écran, je trouve ça un peu plus compliqué. Et moi j'ai pas forcément l'appui du digital, donc c'est encore plus compliqué pour moi. Mais je pense que c'est quand même une très bonne alternative pour débuter le dessin digital. Et voilà, j'espère que mes petits dessins vous ont plu, que ce soit le rhinocéros sur mon téléphone, ou bien que ce soit la mascotte d'XPPen et le Spike sur PC. J'espère également que la présentation vous aura donné envie ou non d'acheter la tablette, voilà, que ça vous aura un petit peu plus éclairé sur cette tablette. Je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez un petit peu plus vous renseigner sur la tablette, et si bien évidemment vous voulez vous la procurer. Elle est au prix de 100€ avec Bluetooth et 90€ sans Bluetooth à peu près. Et enfin, on arrive au concours. Puisque c'est le 10e anniversaire de XPPen, XPPen m'a permis de vous faire gagner une tablette graphique.
ce sera la Déco Mini 4. Je l'avais d'ailleurs reçu il y a quelques années de la part de XPPen et je vous l'avais offert récemment lors d'un concours abonné. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, comme ça vous pouvez un petit peu voir à quoi ressemble la tablette. Je ferai le tirage au sort le 16 septembre. Ce concours est ouvert à tous ceux qui résident dans l'Union Européenne et vous avez jusqu'au 16 septembre pour participer. Et pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et également commenter bon anniversaire à XPPen. Ensuite, le 16 septembre, je vous contacterai et XPPen pourra vous envoyer la tablette. J'espère que la vidéo vous a plu et que le concours aussi. N'hésitez surtout pas à participer, vous avez vraiment toutes vos chances. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu, commenter bien évidemment pour participer et vous abonner pour suivre mon contenu. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!